Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 5 d'Aléas Curse. J'ai hésité, je savais plus si j'avais déjà filmé 4 ou 5 épisodes, mais non, j'en ai filmé que 4 normalement. Je dois vous avouer que je suis extrêmement, mais extrêmement en retard sur les... Enfin, pas en retard techniquement, mais tard sur les sur le tournage des vidéos, parce que, voilà, genre, vous allez entrer dans avoir des informations confidentielles, mais quand je tourne ceci, nous sommes le 25 août. Donc, sachant que, normalement, mon mode de fonctionnement, c'est que je tourne toutes les vidéos d'un mois à un mois avance. Donc, toutes les vidéos de septembre sont censées être tournées en août. On est à 5 sur 17. Wouh! Enfin, 4 sur 17 si on compte pas celle-ci. Donc, je vais carburer, mais ça le fera et je vais arrêter de parler de ça parce que ça va commencer à devenir un peu chiant. Donc, la dernière fois, j'avais battu Roxane, aka Bobsleck. Et là, je vais donc faire les choses habituelles qu'on fait dans ce stade-ci du jeu, aller rendre la lettre à Pierre, aller voir le Capitaine Poop, machin. Battre Pêcheur Elliot et son Crisacier aussi. Ce qui est moins habituel, puisqu'il est pas, il a normalement pas un Crisacier. Mais je pense que Bastien va être fait assez rapidement. Il me semble que dans Ruby Saphir, il est pas si haut niveau que ça. Je pense que c'est niveau 17 sans plus haut Pokémon. Donc, toute mon équipe est en niveau 14 ou 15. Ça, je veux dire, avec une équipe de 6, je vais pouvoir battre ces deux Pokémon sans. Je devrais pas avoir trop de problèmes, à moins que son Makuhita soit devenu un alligator, mais ça m'étonnerait quoi. Lilia c'est. Lilia c'est énervant parce que. Ça a pas des faiblesses sympas, Lilia. C'est glace, combat, acier, insecte. Je pense que c'est les seules 4 faiblesses. Et Vanister est super efficace avec poudreuse, mais pourrait se prendre une attaque plante qui serait super efficace contre elle en retour. 15 de défense spéciale, c'est particulièrement nul. Enfin, cela dit, ça n'a pas l'air de... Bon, je vais tenter avec Vanister. À mon avis, une attaque plante ne la mettra pas qu'en un coup. Si vraiment je vois qu'il y a un problème, je peux toujours mettre un autre Pokémon. Je pense que Lilia, si Lilia a une attaque plante à ce niveau-là, c'est Volvi. C'est pas puissant, Volvi, donc... Ou alors je peux le geler avec poudreux. J'espérais, parce que... La dernière run que j'ai fait en 3G juste avant ça, c'était quand j'ai filmé RubyS. Pour la version 1.0 de RubyS, j'ai filmé les combats importants. Et j'ai eu un nombre assez élevé de gel avec laser glace. C'était assez sympa. Non, je ne sais pas combien de vidéos de RubyS seront sorties, ça dépendra de plein de choses. Mais normalement, quand vous voyez ça, la version 1.0 de RubyS est sortie et les vidéos de combats importants sortiront petit à petit. Mais et si vous ne savez pas ce que c'est RubyS, parce que vous découvrez la chaîne par exemple, c'est un hack que j'avais créé il y a déjà 4 ans et que j'ai peaufiné pendant 4 ans. Un hack de Ruby où le principe de base c'était de mettre des abonnés, des gens de la chaîne et après du serveur Discord à la place des champions d'arène, des membres de conseil 4, etc. Et voilà, c'est toujours le principe de base. J'ai juste fait en sorte qu'on puisse avoir tous les Pokémon trouvables. J'ai changé les Pokémon sauvages pour qu'on puisse avoir presque tous les Pokémon avant la ligue. Et j'ai changé, voilà, il y avait quelques petites modifications, mais qui viennent presque toutes de 2015. Et c'est probablement pas le meilleur hack du monde, mais il était surtout fait pour avoir un petit hack qui représentait la chaîne. Ce qui est marrant parce que le hack tel qu'il est aujourd'hui ne représente pas la chaîne telle qu'elle était il y a 4 ans, et inversement, mais soit. Et du coup, voilà, il y a des choses dans ce hack. Des décisions que j'ai prises il y a 4 ans qui sont des choses que je ne referai pas aujourd'hui. Mais la version 1.0 de RubyS, c'est un truc que je répétais sans cesse que ça n'arrivera jamais. J'ai fini par la faire parce que ça me démangeait, parce que j'avais l'impression d'avoir un truc pas fini sur les bras. Donc là maintenant c'est vraiment fini et peut-être que dans 25 ans j'essaierai de faire un autre acte d'une autre version. Alors moi ce qui m'énerve c'est déjà où est le magasin? Il n'y a pas de magasin à Miyukara, c'est ça le truc. Et c'est que oui, j'ai pas de repousse et ça va être énervant avec Flash. Donc
Va falloir rencontrer les Pokémon sauvages. C'est pas grave, les rencontres ne comptent pas évidemment tant que mon équipe est pleine, mais c'est juste énervant. J'aurais aimé pouvoir acheter des repousses en fait. Mais il va falloir prendre son courage à deux mains et aller donner la lettre à Pierre Rochard qui n'est pas du tout le maître de la ligue. Pas du tout. C'est juste un dresseur tout à fait banal, Pierre Rochard. Et une corde sortie, ça c'est bien si jamais j'ai. Mais enfin, c'est bien, mais en fait, non, parce que la sortie est près de l'entrée. Enfin, la sortie c'est l'entrée. Ce que je veux dire, c'est. Oh, un Houtout. Ce que je veux dire, c'est que l'endroit d'où je vais sortir est tout près de l'entrée. Voilà. Autant mettre le Pokémon le plus rapide de mon équipe en première position. C'est-à-dire que là. Voilà. Et heureusement que je connais assez bien la grotte granit pour ne pas me perdre et ça et que je sais où aller. Mais quand j'étais petit, c'était une horreur la grotte granit. Et voilà, le jeu il a envie que vous battiez Bastien avant pour utiliser Flash, mais tous les gens raisonnables savent que c'est une très mauvaise idée d'utiliser Flash en 3G. Voilà, genre d'utiliser Flash tout court en fait. Limagma, c'est genre. Waouh, des Houtout, des Limagma, c'est très, très étonnant comme. Ouais, voyez pourquoi je voulais un repousse. Bref. Encore un Limagma. Et comme on est. Vu la façon dont Randomizer fonctionne, les Pokémon sauvages sont pas les mêmes en fonction des étages. Donc chaque étage de la grotte est un. Ouh, un Drabi. Ouh, ça aurait été cool comme Pokémon. Drabi c'est un peu énervant au début parce que ça a pas énormément, enfin beaucoup d'attaques utiles. Enfin si, quoi que ça a coup de boule assez tôt. Mais ça a pas de stab, mais c'est pas grave. Hop, ouais. Ça, le problème de Drabi c'est que ben Dracos évolue au niveau 50 quoi. Donc, ouh, un cas d'oiseau, j'aurais vraiment été déçu d'avoir un cas d'oiseau dans mon équipe. Hop. Et voilà Pierre Rochard qui va me donner sa CT préférée, c'est-à-dire la CT47 aile d'acier. Ce qui peut être intéressant un jour, je sais pas trop. Enfin, je veux dire, aile d'acier, c'est. Enfin. C'est l'attaque. Une fois sur deux, je finis par apprendre un Pokémon avant la ligue, au cas où, mais que j'utilise jamais quand même. Parce que offensivement, acier, bah, c'est fort que contre roche et glace. Et aile d'acier, c'est une attaque que principalement les Pokémon vol peuvent apprendre. Et les Pokémon de vol sont faibles face au type roche et au type glace. Donc, en général, dans un Nuzlocke, vous avez une équipe complète. Vous allez juste utiliser un Pokémon qui est super efficace contre les types roche et glace. Et il y en a plein. Donc, ouais, c'est assez bizarre. Mais ça peut toujours être utile. Eldacier, on ne sait jamais. Et qui peut apprendre Eldacier dans cette équipe? Monatir, évidemment. Mais ouais, sur Oud-Oud, c'est encore moins d'intérêt. Parce que, enfin. Oud-Oud, c'est pas offensif du tout comme Pokémon. Donc. Mais je finis ma phrase qui dit Houtout c'est pas offensif et il y a un Houtout qui vient m'attaquer en mode ah tu vas voir si je suis pas offensif. Yeah. Bref. Maintenant que c'est laissez-moi sortir. Heureusement que je croise pas des Topiqueurs parce que sinon avec piège enfin ou des craque-noix c'est dans le bois clémentique qu'il y a des craque-noix. Vous voyez ça fait tellement longtemps que j'ai tourné les épisodes précédents que c'est juste un lointain souvenir pour moi. OK d'accord, ça commence. On est où là? À Unis? Surtout pour se faire agresser par des cas d'oiseaux, s'il vous plaît. J'ai autre chose à faire de ma vie. Hein. Je dois aller remettre un paquet au chantier naval de Poivre-Sel. Ça, c'est important. Je suis une personne importante dans le monde. Voilà. Bref. Monsieur Marco, la star de cet épisode. Ha ha ha. C'était une blague très marrante. Si vous ne l'avez pas compris, c'est pas grave. Vous ne manquez rien. Et on passe sur le chenal 108 avec l'épave. L'épave qui dégnément n'existe pas dans Ruby Omega Sapphire Alpha, c'est devenu New Lavandia. Il n'y a pas d'endroit qui s'appelle l'épave. Ça c'est probablement un des endroits, voire l'endroit qui a le plus changé dans les remakes, c'est l'épave. Alors, je vais battre ces dresseurs évidemment, mais pas tout de suite. D'abord, autant finir ce qu'il faut faire. Hop. Non, c'est là, je dois aller là d'abord. Chantier naval de Poup. C'est chantier naval de Poivre-Sel ou de Poup, faudrait vous décider. Et voici Archibald, le personnage avec un nom le plus insignifiant de tout Pokémon. Presque. Ok, presque.
Mais genre, est-ce que vous saviez que ce personnage s'appelait Archibald? Parce qu'on lui parle une fois dans tout le truc, et à quoi il sert, à part à nous renvoyer vers le musée, ça c'est une bonne question. Oh, bah, regarde, un musée, je dois... Ouais, c'est toi. Je voulais savoir qui allait me donner la cité Larsin. En plus, les attaques sont actualisées à la CG, Larsin c'est 60 de puissance, ça peut être sympa. Je sais pas si Larsin est très utile dans ce jeu, je pense pas qu'il y ait beaucoup de dresseurs avec des objets super importants, à part Richard Jean-Marie et Mademoiselle Cindy avec leur pépite là, mais... Ce qui est bien avec mon équipe aussi, c'est que je vais avoir quand même pas mal d'évolutions assez tôt. Monatir évoluera au niveau 20, il me semble, ou toutes ces 20, quelque chose comme ça. Je suis pas exactement sûr, parce que genre, ou toutes c'est le pire oiseau de début. Enfin, pas forcément le pire, celui que j'aime le moins, mais en y réfléchissant, si c'est le pire en fait. C'est soit Elendil, soit Noirfang le pire. Et... J'aurais dû faire charge. Charge, c'est surpuissant avec un Pokémon avec... Voilà, Lomax ici va évoluer au niveau 18. Ça m'a toujours assez... pas perturbé, mais j'ai toujours trouvé ça assez, assez bizarre que... Un Pokémon qui évolue par bonheur... Je l'ai vu arriver à 3 mètres. Je l'ai vu arriver à 3 km celle-là. J'ai dit, ah, il fait point karaté, c'est un auto de critique, c'est un peu plus fort que le Bailey. Tiens, tu le veux, ton mari avec Call of Force, tu le veux, hein. Bon, il me faut un Pokémon qui va tenir les coups. Ou alors, il faut un Pokémon qui le met KO directement. Pourquoi mon Zigzaton est un des Pokémon les plus défensifs de mon équipe? Est-ce qu'on pourrait m'expliquer? Pourquoi Oud-Oud ça a 13 de défense au niveau 14? C'est pas censé avoir une bonne défense? Enfin, je sais que c'est censé avoir une meilleure défense spéciale que défense, mais je savais pas que la défense était nulle à ce point. Bon, on va prendre une valeur sûre. Osiris, il devrait rien lui arriver. Vu les peu de PV qui restent. Et éclair. Bon, et ben ça fait une mort! Wouh! Quelle joie! Je pourrais l'inscrire dans mon mémorial directement, parce que j'ai un cahier avec le mémorial, le nom de tous les Pokémon morts de tous mes Nuzlocke, la liste exacte, le surnom, l'espèce et la cause de la mort. Donc il faudrait que je fasse une entrée. Donc si on compte mes 52 premiers Nuzlocke, celui-ci c'est le numéro 53, et ben j'ai 264 morts en tout. Voilà. Donc le max c'est la 265e mort. Ça faisait très film quand même. Genre, je parle à quel point Lomax il a Call of Force, il va faire beaucoup de dégâts et il va bientôt évoluer. Parce que c'est bizarre qu'un Pokémon qui évolue par bonheur comme Azuril après évolue au niveau 18. C'est pas beaucoup 18, bon. Et j'allais dire que c'est à cause de la 2G parce que Azuril est introduit en 3G. Donc, ils avaient sûrement pas Azuril en tête quand ils ont fait Marill. Puisqu'ils avaient même pas la 3G en tête quand ils ont fait la 2G. Puisque quand ils ont fait la 2G, ils se sont dit qu'ils allaient plus jamais de faire de jeu Pokémon après. Donc voilà. Un Chuchmur, ça devrait aller? Réponse, non, parce qu'un Chuchmur, ça a Brouhaha. Et Brouhaha, c'est à 90 parce que les attaques sont actualisées. Donc ça fait beaucoup trop de dégâts. Parce que c'est stabé. Heureusement que Note est plus rapide à coup de boule. Et coup de boule fait aussi de bons dégâts parce que c'est stabé et c'est 70 de puissance. Fantominus. Fantominus. Qu'est-ce que je peux faire contre Fantominus? Enfin, je peux faire des trucs, ça va, je suis pas complètement... impuissant, mais... Je vais mettre Osiris. Le truc avec Fantominus, c'est qu'il il a un move par level up très très mauvais. Vraiment, en plus, en 3G, encore plus... Enfin, dans les 3 premières générations, encore plus que les autres. Bon, cela dit, en première génération... Tous les Pokémon avaient un moveset par level up un peu nul. Évidemment, je suis paralysé. Et lui aussi paralysé. Et Fantominus, il est plus rapide, évidemment. Et comme c'est... Fantominus a super beaucoup d'attaques spéciales, même pour un Pokémon de base. Hein, il a 100, je pense, en base stat en attaque spéciale ou quelque chose dans le genre. Mais enfin, ses deux stabs sont physiques. C'est spectre et poison, c'est physique dans cette génération. Donc... Bon, j'ai battu Sbire Team Aqua. Je suppose que la Team Aqua, c'est les gens qui disent que Aqua est le meilleur personnage de Kingdom Hearts. Ayant joué à seulement deux jeux Kingdom Hearts et Aqua ne faisant partie d'aucun d'entre eux, je ne me prononcerai pas sur cette constatation.
Ouais, l'expansion de la mer, génial. Fais des extensions de redstone à la place, c'est plus intéressant. Ouais, je vais de rien, je t'ai sauvé, mon mari il est mort. J'ai pas le droit d'avoir un Maril. Dans Alice Curse 1, c'est genre, où Ulan-Bator fait non, c'est un Maril. Je ne veux pas que tu subisses la malédiction. Il le tue avant que je puisse le capturer. Et cette fois-ci, il meurt. Le monde ne veut pas que j'ai un Maril. Ce voudrait dire que le maître du jeu, celui qui a organisé tout ça, a peur des Marils. Ah! Le lore s'épaissit. Le lore, la partie la plus importante de cette série, bien sûr. Bon! Eh ben, on peut déjà. Ah, même pas deux badges et déjà une mort, c'est triste. Paysage 3, ciel. Le nom, on change en RIP. Et, puisqu'on est dans un strict notepad, j'ai un emplacement libre dans mon équipe et je dois avoir le remplaçant de Lomax ici à Poivre Sel. Sauf que, il n'y a pas moyen d'avoir des Pokémon à Poivre Sel, on peut pêcher nulle part. Donc, comme c'est impossible, il faut que je prenne l'endroit le plus proche. Et il y a la route 110 et il y a la route 109, le chenal 109. Y a pas de y a... Ils sont tous les deux aussi proches l'un de l'autre techniquement. Mais je vais choisir la route 110 parce que la route 110 a des Pokémon de plus haut niveau. Et oui. Autant y aller à fond comme ça. Hein. Bien sûr, Pokémon sauvage de plus haut niveau veut dire Pokémon sauvage qui vont peut-être me faire une autre mort, ce qui serait quand même assez décevant. Mais j'ai bâillement avec Tuptis. Donc, si j'ai besoin d'attaper des Pokémon. Qu'est-ce que j'ai comme Pokéball? Bah oui, parce que je me suis pas préoccupé de ça. 10 Pokéball, une Hyperball, une Superball, c'est pas beaucoup. Donc, je vais aller un peu au magasin, genre, voir s'il n'y a pas moyen d'acheter des trucs. Je sais qu'on peut. Enfin, ça dépend de l'endroit ce qu'on peut acheter. Hop, voilà, on peut acheter des Superball alors que j'ai qu'un badge. C'est un endroit, genre, un des rares moments où le principe des magasins de la 3G est meilleur que celui de la 4G. Parce que dans la 4G, et 4G précisément, hein. Vous pouvez, les Super Bowl, vous pouvez les acheter à partir du moment où vous avez 3 badges. 3! Vous vous rendez compte? Dans Platine, ça va encore! Faut juste battre Chimera! Mais dans Diamant et Perle, vous vous rendez compte? Toute la partie du jeu, 3 badges pour pouvoir acheter des Super Bowl. Ouais. Alors, j'ai pas beaucoup d'argent non plus. Je vais acheter genre 3 Super Bowl. C'est vraiment s'il y a besoin, les Super Bowl. Je vais pas acheter des Super Potions parce que je vais pouvoir acheter des Soda Cool si je bats les trois dresseurs du machin. Bon, alors, évidemment, je n'ai pas le choix sur le Pokémon. C'est le Pokémon de la route 110. J'ai décidé que ce serait la route 110. Peu importe son type, peu importe ce que c'est, je suis obligé de l'avoir. Je ne peux pas dire non. Et si je le mets KO, eh ben, bah, j'irai sur la route 109 en fait. Parce que je dois quand même compléter mon équipe quoi qu'il arrive. Donc, évidemment, si je ne suis pas satisfait avec le Pokémon, je pourrais faire exprès de le mettre KO. Cela dit, mes règles, c'est moi qui les ai choisies, donc je vais pas les contourner comme ça. Eh ben voilà, Cracnoix, mais puisqu'on en parlait, génial. En plus, je parie qu'elle a déjà une attaque sol, comme ça je vais pouvoir, comme ça Eductis va pouvoir mourir dans notre souffrance. Non, en vrai, Cracnoix, c'est intéressant. Le problème, c'est que ça évolue super tard, et j'ai déjà quand même des Pokémon qui commencent à évoluer assez tard. Eductis évolue au niveau 38. Vanister, elle va évoluer assez tard aussi. Je sais pas exactement, mais ça doit être vers le niveau 33, quelque chose comme ça. Et là, Cracnoix, maintenant, c'est 35-45, je pense. Enfin, 45, c'est le niveau du 8ème champion dans ce jeu, donc. Eh, mais j'ai obtenu Cracnoix sans encombre. C'est bien. Cracnoix, Pokémon piégeur. 70 cm, 15 kg. Cracnoix est un chasseur patient. Dans le désert, il creuse un trou dont on ne peut pas s'échapper et attend que sa proie tombe dedans. Ce Pokémon peut se passer d'eau une semaine entière. Génial, je suis un Cracnoix donc. Bon, je peux pas me passer d'eau pour une semaine, mais j'ai tendance à boire très très peu. Certaines personnes désobligeantes diront que je suis un chameau. Voilà, et il me faut un surnom pour ce Cracnoix. Et j'ai déjà utilisé la planète qui commence par K. Dommage. Qu'est-ce que je peux te mettre comme sur nous. Oui, j'ai déjà utilisé la palette L, puisque j'ai déjà utilisé le max. C'est parce que je me suis dit Libégon. Et j'ai utilisé la planète V de Vibranins avec Vanister. Donc, sur ce poule. Sur là. Bon, oh, bah, on va utiliser la toute dernière planète de la liste, Zatonga.
Je ne connais pas du tout cette planète, je n'y suis pas allé. En fait, j'ai pas vu énormément de planètes quand j'ai refait Alpha Bones, parce que j'ai enfin compris comment le jeu fonctionnait. Et que le radar, que je pensais qu'il servait à rien, il sert en fait à détecter quelles planètes ont des morceaux de la Terre. Du coup, j'ai juste fait les planètes qui avaient un morceau de la Terre. Et voyons le nouveau membre de l'équipe dans toute sa splendeur, niveau 12, hein, pas si loin des autres. Avec Hypercutter et pas piège, c'est bien. Parce que l'IA va switcher une fois tous les 3000 ans. Alors que Hypercutter, ça peut être sympa. Maintenant, de toute façon, ça n'aura plus d'incidence à partir du moment où elle aura évolué en Vibranymphe. Mais bah, gentil, moins défense, plus défense P. J'ai envie de dire ça n'affecte pas l'attaque ou quoi que ce soit. Donc, Krakno a 100 de base stat en attaque, c'est beaucoup. C'est la même base stat que Libellion. Dommage qu'elle ait une attaque spéciale seulement, parce que morsure c'est spécial. Donc voilà, il va falloir qu'elle apprenne une attaque physique, ce qui sera tourbissable. Donc Krakno, c'est pas très intéressant, c'est pas très sympa à entraîner au début du jeu, hein. Surtout dans la 3G, mais on fera avec. Et je pourrais continuer comme ça, sans battre Bastien, mais je ne vais évidemment pas faire ça. Ce serait débile. Je vais aller faire les dresseurs du chenal 109. Voilà. Je vais espérer ne plus avoir de mort, ce serait bien. Quand même. Alors, il faut faire gaffe parce que, genre, lui, je sais pas si c'est lui, mais il y a un flotteur quelque part qui a un zigzaton avec surf dans le jeu normal. Et je pense que c'est lui, flotteur Rachid. Et il est pas impossible que même avec la randomisation, son Pokémon ait encore surf. Du coup, je vais switcher, genre, pour être sûr. Mais c'est pas impossible, voilà. Ouais, Mimikyu c'est une attaque que Note pour enfin que Zigzaton pourra avoir. Peut-être que le moveset n'a pas été changé, mais ça m'étonnerait parce que les dresseurs importants ont normalement des movesets originaux aussi. Et pourtant ils sont complètement random. C'est juste que j'ai le souvenir, je sais plus vraiment comment, d'avoir fait un randomizer où le Pokémon qui était remplacé avait encore surf. Donc peut-être que ça se passe quand le Pokémon au niveau où était Granivolt, je pense 14, n'a pas encore 3 attaques. Et du coup surf se rajoute. Je sais pas du tout comment ça fonctionnerait, mais bon, soit. Faut faire gaffe parce que 28 PV seulement. 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, ok ça va. Parce que bon, le PlayStation Network est une infection à traiter rapidement. Voilà. Bon, c'est pas d'arvenin dans ce truc, mais je me fais empoisonner quand même. Et j'aimerais bien un peu d'expérience pour Zatonga. Je pense que il y a vraiment moyen qu'elle puisse combattre elle-même. Si je trouve des Pokémon qui évidemment. Enfin, un Granivolt, elle aurait pu combattre elle-même, mais si Granivolt me sortait surf de n'importe où, voilà. Un parasol ressemble à une fleur géante. Bah ouais, un peu amoché comme fleur, mais pourquoi pas. Flotteur Léa, tu es un Pichu. C'est un très très bon choix. Ouais, ok, tu vas me rendre confus. Alors, il peut pas me paralyser, le Pichu, donc... si ça se trouve, il a déjà cage éclair à ce stade-là du jeu, donc... Yeah! Ne te plaise pas dans la confusion. Ne prends pas statique aussi. Sinon, ne te fais pas toucher par statique. Ça va juste rendre les choses plus énervantes. Ne te blesse pas dans la confusion non plus. En plus, elle est en train de te baisser ta défense. Évidemment, voilà ce qui se passe quand le Pokémon en question est à moins 1 en défense et à 100 de base stat en attaque. Et une nature moins défense. Donc je vais mettre mon deuxième Pokémon seul pour contrer la chose. Bon, le Pichu pourra refaire doux baiser. Mais... Encore Mimikyu. Je m'en fous, je te fais poudreuse. Tu fais Mimikyu, mais je pense que tu n'as pas d'attaque, donc... il me semble pas que ça écrase pas ou un truc ainsi, Pichu. Ouais, voilà. Spam Mimikyu si tu veux. Da-da-da-da-da-da. J'aurais pu rester, hein, mais avec Zatanga, mais...
J'avais juste pas envie de m'énerver avec, avec essayer de la confusion, vu, surtout vu tous les dégâts qu'elle s'était pris. Vu tous les dégâts qu'elle s'était prise avec une seule blessure de la confusion, si je réattaquais que le Pichu faisait encore mimiqueuse, Zatanga se blessait dans sa confusion. Elle allait sûrement se tuer elle-même, se suicider. Donc, ça aurait pas été génial. Et le Pichu allait, quoi qu'il arrive, je pense, faire mimiqueuse, vu ce que. Son comportement de ce qu'on a vu précédemment. Et Zatanga avec de toute façon une chance sur deux de se... Darvenin, il fallait que j'en parle, hein. Je me dis, ah, je suis empoisonné, c'est pas Darvenin. Boum, Darvenin est là pour dire, regarde, j'existe toujours. Et le pire, c'est que je vais avoir des PV assez bas. Je pense que je vais devoir utiliser une potion ou un antidote, si j'en ai. Parce que... Ah, avec le 14 est peut-être sauvé. Faut voir. Parce que je suis quand même assez loin du centre Pokémon. Donc, je suis à 14. 13. 12. 11. 10. Non, ça n'ira pas, je pense. 9. 8. 7. 6. 5. Non, ça n'ira pas. Une potion. J'ai deux antidotes. On va prendre un antidote. Voilà. Le poison en 3G. J'ai hâte de faire Alias Curse 3 en fait. Parce que je serai pas en 3G. C'est spoiler. Je garde toujours un mystère sur quelles versions seront faites dans Alias Curse. Mais vous pouvez être sûr qu'il n'y aura aucune version de la 1G ou de la 2G. Donc. Donc, on sera en 4G ou 5G pour tout le reste de la série après ça. Et niveau 13, c'est bien. Donc ouais, quand je parlais de niveau d'évolution, ben, Zatanga c'est 35-45, Osaris c'est niveau 30, mais elle est déjà stade 1. Kenot c'est 20 ou 21 Linéon, j'ai un doute. Vanister c'est, je pense que c'est 33, mais je suis pas sûr, 33 ou 34. Monatyr c'est dans les 20, Iduptis c'est niveau 38. Donc ouais, j'ai 3 Pokémon qui évoluent tard, et 2 Pokémon qui évoluent tôt, et un Pokémon qui est en mode... Ah voilà. Donc c'est pas le meilleur équilibre, et je dois vous avouer aussi que... J'étais content d'avoir un Pokémon de type O, hein. J'étais content, hein. Mais il est mort. Oui, je veux me battre contre toi parce que tu vas me donner de l'expérience et que tu as probablement des Pokémon assez faibles. Miaouss. Ok, d'accord. On va dire que c'est assez faible. Moi, ce que j'aimerais, c'est que Zatanga apprenne un stable. Le problème, c'est que je sais très pertinemment que ce stable va être tourbissable et que je vais être très déçu de devoir utiliser tourbissable pour faire des dégâts. Mais... Il vaut mieux 5 morsures, on va dire. Tourbissable c'est 35 de puissance et c'est stabé et c'est physique. Donc ça sera sûrement mieux que morsure dans presque tous les cas. Mais... Polichombre. Eh ben j'ai bien envie de rester puisque je vais lui faire des dégâts super efficaces. Le seul truc qui m'inquiète c'est de n'avoir que 16 PV sur 37. Donc une petite potion est de mise. Et ce n'est pas mon starter qui est mort. Wouh. Wouh. Donc ça va. La règle du hors-jeu n'est toujours pas activée. La règle du hors-jeu c'est pas importante pour cette run ou pour les runs suivantes. Pour les autres. La run du hors-jeu, c'est important que je ne perde pas mon starter pour la dernière run de la série. Toute dernière. Parce que sinon ça va rendre les choses tellement plus simples, plus difficiles avec. Meditica. Je peux mettre Monatyr, je peux faire pic-pic. Le problème c'est que Meditica ça a patience. Et du coup, je vais peut-être attendre qu'il fasse patience. Ça aussi yoga et puissance cachée, mais à ce niveau-là, ça n'a pas puissance cachée, je pense. Donc je vais lui faire rugissement. Ah, il fait détection. Ah, ça c'est un bon signe. C'est un signe d'un... Le signe d'un combat qui va pas du tout prendre mon temps. Voilà. Alors, en vrai, si ça se trouve, en deux pic-pic, je le mets KO. Et du coup, c'est pas grave s'il fait patience. Mais voilà, là, il fait patience. Et patience, ça a pas de priorité dans cette génération. Alors qu'à partir de la 4G, ça a une priorité. Donc j'aurais pu faire pic-pic et ça aurait pas été grave parce que je l'ai outspeed. Mais on sait jamais. Voilà, il se concentre. Et là, il va envoyer la sauce au tour suivant. Et là, je vais pouvoir faire pic-pic. C'est quand même... Je préfère quand patience a de la priorité parce qu'on sait exactement ce qui va se passer. Pratiquement je sais là aussi. Mais voilà, là en fait c'était une speed tie. Donc en fait je viens de lui... Je vais refaire pic-pic, ça le met KO. Mais si je pouvais pas le remettre KO avec un deuxième pic-pic, genre ça veut dire que quelqu'un va dû se prendre de gros dégâts, hein.
Ah, oh, ah, tu fais quoi, genre? Tu fais Alexandrie, Alexandra? Ouh, ah, je sais pas quoi. Ouais, il faut que j'aille me soigner. C'est toujours énervant d'aller se soigner au centre Pokémon, mais c'est comme ça que ça marche. Quand vous faites un Nuzlocke, il faut jouer intelligemment, hein. À moins que vous aimiez y jouer en mode YOLO et perdre tous vos Pokémon, mais voilà. Moi, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Il y a des gens qui aiment bien se dire j'y vais un peu, j'y vais vraiment sans trop m'inquiéter, et si je perds des Pokémon, c'est pas grave, j'en ai encore d'autres, etc. Mais c'est probablement, c'est aussi le genre de personne qui, dans les commentaires YouTube des Nuzlocke, dit. Ouais, ça fait trop longtemps que t'as pas une mort, j'aimerais bien que tel Pokémon meure, machin, machin, ce qui n'est jamais très, 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 très agréable quand vous êtes de l'autre côté de cette discussion. Ah non, Narmunis, j'ai peur. Mais, ouais, il y a d'autres types de personnes qui, quand ils font un Nuzlocke, c'est aussi pour réussir le Nuzlocke, hein, et jouer intelligemment. Et le but dans un Nuzlocke. Le but dans un Nuzlocke, à un moment, ça ne vient plus de terminer. Parce que terminer un Nuzlocke, c'est facile. Spoiler! Mais. Le but dans un Nuzlocke, c'est aussi d'avoir le moins de morts possible. Le Nosferapti, je pourrais laisser ça tomber, mais je vais mettre Vanister. Parce que je vais pouvoir faire. Poudreuse, ça va être super efficace, donc pourquoi pas. Flutter Simon, take this! Ah non, take this, c'est Richter. Begone! Il va me lancer des croix et des haches. Et de l'eau bénite. Et des ultrasons. Et ben oui, en fait, Nosferapti, c'est le Pokémon, on le voit, on fait, ah, il est énervant, Nosferapti. Et ben, Simon, et Richter dans Smash, c'est pareil. Hein, je jouais à Smash l'autre jour avec mon frère. Et on s'est dit, on va faire des BO3 et on va chacun partir d'un côté différent de l'écran de sélection des personnages, et on va moi je vais prendre Mario et je vais continuer en avant, et Max il prend héros et puis il va en arrière, et puis quand il est arrivé à Simon et Richter, il a fait oh non mais je le prends pas celui-là sinon on va se faire chier tous les deux. Il est passé, il a pris directement en replay. Voilà. Si ça vous intéresse, j'en ai gagné, on a, pour l'instant on a fait jusqu'à Zelda. Donc, c'est-à-dire qu'on en a fait 19, puisque Zelda c'est la numéro 17, il y avait deux échos, et j'en ai gagné 5, je pense. Non, 5, non, j'ai gagné 5 sur la deuxième session, j'en ai gagné 8 en tout. 8 sur 19. Ah! Hypercutter empêche intimidation de fonctionner, exactement, c'est de ça que je parlais. Boum! Et Kaninos utilise morsure, et moi aussi j'utilise morsure. Mais quelle morsure est la meilleure? La tienne, apparemment. Oh! J'ai plus de Pokémon haut pour être super efficace, génial. Bon, s'il veut faire morsure, eh ben il va le faire sur Monatir, parce que Monatir il est en mode bonjour, j'ai une défense spéciale. Puis il fait gros yeux et Monatir il a pas une bonne défense, et si le Kalinos commence à faire une attaque physique, là je vais être déçu, mais je vais quand même faire charge parce qu'il fait Flamèche, c'est une attaque spéciale. Et il ne me brûle pas. Tant mieux. J'avais pas spécialement envie de me brûler. Ok, encore morsure, c'est spécial. Et il me flinche. Voilà. Et là ça devient énervant parce que je vais utiliser une potion. J'ai 5 super potions. Ah oui, 2 super bonbons, ils viennent de ramassage. Ramassage, c'est bien. Flamèche, encore. Et il m'a brûlé. La 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 la. Je n'ai pas de. Je n'ai rien pour soigner la brûlure. Auguste aurait honte de moi. Donc on va. On va. Appuyez sur le bouton en cas d'urgence, c'est-à-dire Osaris. Ah, quand elle apprend Braquage éclair, ce sera magnifique. Tout le monde qui gagne de l'expérience. Tu n'as pas eu le temps de t'ennuyer, eh ben génial. C'est cool. Tout le monde ne peut pas dire des choses comme ça. Bon oui, en effet, t'as pas eu le temps de t'ennuyer parce que tu as perdu extrêmement vite, mais tu es un PNJ dans Pokémon, donc je vois pas à quoi tu. Non. Ah là, ça m'énerve quand même d'avoir perdu un Pokémon contre un sbire Timaqua, parce que, enfin, je veux dire. C'est nul la Timaqua.
On n'est pas au niveau de la team Flair en termes de nullité, mais on n'est pas loin non plus. Donc, ma réputation en prend un coup. C'est ça que j'ai envie de dire. Pour le peu de réputation que j'avais. Il reste marin. J'attends le jour où ils vont faire marin et Richard, moi. C'est... Non, mais bon. Alors, la chose à faire, c'était de ne pas aller faire le combat et de racheter des potions. Parce que c'est bien d'avoir des soda cool, mais soda cool, c'est toujours bien d'avoir aussi des potions qui coûtent moins cher. Ça. Bref, Limaima est là avec Marin Harold. Je suppose que ce Limaima purée de poids, bien sûr, sinon c'est pas marrant. Mais aussi, je suppose que ce Limaima a corps ardent, hein, puisque tous les Limaima du monde ont corps ardent à part les miens. Et je pense qu'en fait, oui, parce que je pense que tous les Pokémon faits par l'IA ont leur première capacité spéciale, et la première capacité spéciale de Limaima, c'est corps ardent. Mais je suis pas sûr. Mais on s'en fout parce qu'il est KO. Et que je vais switcher avant que Zatanga ne puisse s'endormir. Parce que c'est comme ça que ça marche en 3G. C'est nul, mais c'est comme ça. Enfin, dans ce cas-ci, c'est à mon avantage, mais dans d'autres générations, ce sera peut-être pas comme ça. Il y a plein de trucs. Switcher dans cette génération se fait avant pas mal d'effets, alors que à partir de la génération 4, ils ont un peu rechangé tout ça. Et tout se passe avant de pouvoir switcher. Mais du coup, ça crée des trucs, des situations assez bizarres parfois en combat duo. En combat duo, quand un Pokémon tombe KO, il doit être remplacé directement. Il ne faut pas attendre la fin du tour. Ce qui veut dire que le Pokémon qui est renvoyé, il peut déjà se... Qu'est-ce que tu fous avec un Rookups ? Bref, le Pokémon qui est envoyé en combat duo, là, il peut se prendre une attaque. Enfin, c'est assez bizarre. Mais comme on verra un combat duo sur toute cette run... Eh ben, vous ne verrez pas. Parce que c'est le seul combat duo que vous verrez dans cette run, c'est contre Lélie et Tatia. Ils ont juste un Pokémon chacun, donc ça n'arrivera pas. Et hop là, un petit Rookups qui meurt en un coup, c'est bien. Heureusement que j'ai Osiris, hein, parce que... Je sais pas quel Pokémon il avait qui aurait pu être transformé en Rookups. Ouais, et 6 Sodacool. Ce qui est quand même pas mal. Gratos, je prends. Hein. Faut voir combien ça coûte. 300 la bouteille, donc j'ai quand même gagné 1800 Pokédollars. Et on peut pas les acheter par 12, sérieux. Donnez-moi un monde où on peut acheter les soda cool par 12. En tout cas, les lemmeux dans platine, on peut. Dans diamant et perle, on peut pas. Voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. Et du lemmeux dans Argos Silver, une fois sur deux, j'en achète pas parce que je pense jamais à cultiver les béorans assez longtemps pour pouvoir acheter les donner à meumeux pour avoir le lemmeux. Bon. Il me semble que tous ces dresseurs sont faits, ce qui est bien, et que je vais arrêter l'épisode ici, ce qui est bien aussi, mais bon, j'ai une mort, ce qui est moins bien, voilà, c'est triste, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas le paradis, non, c'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis, c'est ça que je voulais dire. Kenote a ramassé un objet, mais quel est-il? C'est un total soin, merci Kenote. Et du coup, ça veut dire que j'ai 4 femelles et 2 mâles dans mon équipe. Voilà. L'équilibre a été rompu, c'est pas grave. Sur ce, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Que ce soit le cas ou pas, je vous invite à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et quant à moi, je vous retrouve dans l'épisode 6 d'Alias Curse 2.